en process. Ça, il faut l'envoyer là-bas parce que c'est pour ça. Ça c'est pourquoi. Ok. La carte, mais pour ne pas qu'elle faut mettre une main sur la carte mère doucement, doucement, faut pas forcer. Ça, vous mettez ça où? Je crois que c'était avec vous que je parlais de la gomme. Où est la différence? Voici la gomme. La gomme qui va qu'on met sur les MOSFET. Voilà, non? Donc c'est ça la gomme, celle qui est différente de la pâte thermique. Ouais. Et c'est ce qui va aussi permettre le refroidissement. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc quand vous sentez que c'est trop truc, il faut le mettre dans l'eau, vous le malaxez, il devient une boule et puis vous le posez. Donc c'est ça la gomme dont on voyait la dernière fois. Et elle est différente de la pâte. Oui, c'est différent de la pâte thermique. Donc maintenant vous montez. Évitez la contactante. Le contactant. Oui, oui. Ça c'est pour là-bas, non? La carte là c'est pour là-bas. Ou bien ça vous allez mettre ça ici. Attends. Attends. Non, n'amène pas ça. Amène la carte qui est là. Ou est-ce que ça c'est la ça c'est qui est orange? Oui, c'est celui-là. Celle qui est orange, non? On doit mettre la carte. Donc mettez la carte là ici et puis vous l'isolez. Cette carte là. Bon ok, mets ça là-bas, amène l'autre. Ça, prends, mets ici. Ça c'est la carte là, c'est l'écran là qui est bon. Ok. Donc vous allez mettre ça là-bas. Okay.
Vous avez déjà mis les connectiques, il faut mettre d'abord tous les connectiques d'abord. Hein? Placer tous les connectiques et après maintenant, mettez les connectiques parce que vous n'avez pas encore branché les, tout ça, ça attend d'abord. Mettez d'abord tout ce qui est connectique d'abord. Une fois que les connectiques sont placés, maintenant vous venez maintenant à tout ce qui est support. Vérifier si vous avez tout mis. Il faut toujours vérifier, toujours voir. Maintenant, vous mettez l'alimentation. Non, non, pas cette alimentation. Eh, pas ça. Ça, oui. Vous n'avez pas encore fini. Vous n'avez pas encore fini de. Final.